Hello du Internet! Salut à tous, ici Casamania, on se retrouve pour la vidéo numéro 4 de la série des objets indispensables de Guild Wars 2. Donc pour rappel, voici les 3 précédents objets. Vous trouverez un lien juste au-dessus, il y avait le kit espion, le sifflet ogre et puis le poison ilek. Donc n'hésitez pas, si vous en avez loupé un, à cliquer sur le petit lien, vous tomberez directement sur la vidéo. Donc cet objet 4, tout d'abord où je suis. Alors je suis ici au point de passage du tutorat de Valence, c'est à chute de la canopée. Voilà, sur la map, facile à trouver. Voilà, hop. Donc dans ce coin-là, il y a un Azura qui vous vend un truc assez sympa, je vais vous montrer ça tout de suite. Il se trouve là au fond de cette espèce de laboratoire à côté de son golem. Ah, c'est lui là. Hop, on va le voir, on va le parler. Là, vous voyez un pistolet de téléportation expérimental. Donc, c'est peu cher, hein, 33 pièces de cuivre. On peut en prendre aussi autant que l'on veut. Donc, on va voir à quoi ça sert tout de suite en image. Donc, vous en équipez comme une arme, hein, ça remplace votre arme. Et vous avez un nouveau skill qui apparaît qui s'appelle créer un téléporteur. Donc, on va essayer ça. Vous voyez, un sacré bon, ça vous fait 2 téléporteurs. Vous voyez, un d'entrée, un de sortie que vous pouvez utiliser. Dans un délai de 8 secondes à peu près, vous voyez, comme ceci. Donc on va voir dans plusieurs cas de figure l'utilité de la chose. Alors vous avez le saut d'obstacle, hein, donc après à vous de trouver les obstacles insurmontables dans Guild Wars 2. Quand même le bon n'est pas négligeable, hein, ça fait penser un peu au tir de l'ingénieur, genre de choses. Vous avez aussi la possibilité de combiner avec un autre objet, comme par exemple le kit d'option, vous voyez, hop, pour fuir un pack, comme ceci. Et on peut aussi l'utiliser juste en simplement comme pour renforcer le sprint, vous voyez, comme ceci. Donc voilà, petite vidéo un peu courte, mais toujours utile de découvrir des nouveaux objets dans Guild Wars 2. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. N'oubliez pas le petit bouton d'abonnement pour ne rien rater. Et si vous voulez suivre plus assidûment, il y a aussi le Twitter. Donc je vous laisse à tous, je vous souhaite des bons jeux et à bientôt sur Guild Wars 2.